La clarinette qui parlait aux oiseaux. Jamila habite dans un petit bois, avec sa maman et son papa. Maman cultive des fraises, des pétunias, Papa, des ananas et des petits pois. Chaque samedi, maman et papa partent au marché vendre leur récolte. Ils embrassent Jamila et disent On te confie la maison, ne t'éloigne pas. Et chaque samedi, Jamila s'assied entre les racines d'un gros chêne. Ça fait comme un fauteuil dans lequel elle se blottit. Elle contemple les merles, les alouettes, les hirondelles, les, les coucous, les tourterelles. Ils volent dans le ciel. Ils passent sans la voir. Attire d'elle. « pire lui, pire chantent les rondelles. Coucou, coucou !» scande le coucou. « Pilipi, pilipi !» répond l'alouette des champs. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Je voudrais tant devenir leur ami, leur confier mes secrets. Comment pourrais-je leur parler? soupire Jamila. Un samedi, elle accompagne ses parents au marché. Parmi les clients qui font la queue se trouve un monsieur. Comment dire? Un monsieur extravagant, hérissé du tuyau à bec. Dans le dos, sous le bras, sur la tête, dans les poches, sous sa casquette? Quel drôle d'énergumène! Il achète trois ananas et un panier de petits pois. Djamila regarde un des tuyaux avec curiosité. On dirait qu'il a envie de parler. Coucou, coucou, comment tu t'appelles chante le tuyau à bec. Djamila et toi Clarinette, je suis un instrument avant. On souffle dans mon bec et j'émets des sons. Des sons veloutés, des sons ravissants. Le grand Mozart a écrit un concerto rien que pour moi. Le drôle de monsieur sourit sous sa casquette. Elle t'intéresse, ma clarinette Elle brille, elle est jolie, elle chante comme mes oiseaux dans le ciel, dit Jamila. Le monsieur lui tend l'instrument. Tiens, je te la donne, je crois que vous allez être amis. Et il repart, les bras remplis d'ananas et de petits pois. Le samedi suivant, Jamila s'installe au pied de son arbre, avec sa clarinette. Elle aperçoit le coucou qui volette. Coucou, coucou, joue la clarinette. Le coucou s'arrête et tend l'oreille. Étrange, cette petite fille qui parle le coucou. Il avertit l'hirondelle, qui s'en vient aussitôt. Pirlouis, pirloui !» chante les rondelles. Pirlouis répond la clarinette. Ça alors s'exclament le coucou et l'hirondelle. Un bout de bois avec un bec qui parle notre langue. Ils appellent l'alouette des champs. Pilipi, pilipi, siffle l'alouette, ce qui signifie Mais qu'est-ce qui se passe ici c'est une clarinette qui nous rend visite, chantonne le coucou. Oh, ce noble instrument si fin, si élégant, qui a inspiré les plus grands compositeurs, commente l'alouette. Enfin, une spécialiste qui saura nous départager, s'exclame l'hirondelle. Dire lequel de nous trois a le chant le plus beau. Faisons un concours, crie le coucou. Et elle sera l'arbitre. Chaque oiseau passe devant la clarinette et donne un récital. À chacun, elle dit bravo. Et Jamila aussi. À tous les trois, elle accorde dix sur dix. Ça ne va pas du tout, proteste le coucou. C'est un concours, il faut un classement. Dis-nous qui est le plus doué, le plus juste, le plus brillant. Mais c'est moi, bien sûr, se vante l'hirondelle. Que tu es bête, dit l'alouette. J'ai bien vu comme ses yeux brillaient quand j'ai chanté. La diva du bois, c'est moi. Ils se donnent des petits coups de bec. Ils battent des ailes. L'arbre retentit de mille cris. Ça pinaille, ça piaille, ça se chamaille. Ça fait tant de vacarme que Jamila se bouche les oreilles. Arrêtez de vous disputer, elle supplie. Vous chantez tous très bien. Je n'ai pas de préféré. Je veux juste que vous soyez mes amis. Non, non, il faut choisir, insistent les trois chanteurs, et ils recommencent à se disputer. Jamila attrape la clarinette, prend ses jambes à son cou et s'enfuit, les yeux pleins de larmes. Elle court si loin, elle court si vite qu'elle perd son chemin. Elle trébuche sur un caillou et tombe. Elle serre la clarinette contre elle. Elle ne reconnaît plus rien. Elle entend des craquements, des grognements, des grincements qui lui font peur. La clarinette chuchote: Ne t'en fais pas, je vais te jouer une sonate que Brahms, le grand compositeur, a écrite pour moi. Tu vas voir comme c'est beau et rassurant. La musique apaise et guérit tout. La clarinette se met à jouer les notes cristallines de l'Allegretto. Et, comme par enchantement, les bruits effrayants de la forêt se taisent. Djamila se détend, sourit. Elle n'a plus peur. Et elle entend alors Coucou Pire lui Pilipi Pilipi pili. L'alouette, le coucou et l'hirondelle se posent à côté d'elle. Nous sommes désolés. Nous avons été stupides et prétentieux. Nous aussi, nous voulons être tes amis. Et pour te montrer que nous t'aimons, nous allons t'aider à rentrer chez toi. Et il la guide jusqu'à la maison dans le petit bois. Depuis ce jour heureux, quand Jamila rentre de l'école, elle s'assied auprès du gros chêne où le coucou, l'alouette et l'hirondelle l'attendent. Fini les bagarres et la compétition. Sous la direction de la clarinette, il chante à l'unisson. Si un jour, dans votre ville passe la chorale du grand chêne. Ne manquez pas ce concert d'exception.